Bienvenue sur ma chaîne YouTube Patty Scrap 08. Alors, je suis animatrice Keepers Créatif pour la région Champagne-Ardenne et donc je présente régulièrement un déballage de colis Keepers. Donc voilà, je viens de recevoir mon colis. Je vais vous le présenter. Donc, j'avais tenté de faire un direct Facebook, donc je l'ai fait, mais j'ai pas réussi à le télécharger sur Facebook. Enfin bref. Être autodidacte dans tout ça, c'est très chronophage, donc je refais la vidéo et comme ça je vais pouvoir la mettre sur la chaîne. Donc, et ben on y va, hein, on va aller au plus vite, on va essayer de pas être, de pas trop prendre de temps. Donc c'est parti. Donc, un peu dans le désordre, je vais aller. Donc, je vous représente une petite machine de découpe qui est trop mimi, en verte. Elle est un peu moins de 50 euros, elle est à 49,95 €. Donc, elle se présente comme ça. Sur le côté, vous avez les indications pour utiliser les différentes plaques qui sont jointes. Donc vous avez trois plaques plus un tapis pour l'embossage à froid. Je la trouve très très pratique en fait. Moi j'ai d'autres, hein. J'ai une Big Shot, j'ai d'autres machines, mais je l'ai prise pour moi également parce qu'en fait, elle est super stable, elle est bien plate. Et puis surtout, ça me permet, ça prend pas trop de place sur mon plan de travail. Et quand j'ai des petits jets à faire, ça va super bien. Il faut imaginer aussi l'emmener quand on va en crop, etc. Parce que bien souvent, il n'y a qu'une machine pour les découpes. Et ça nous permet d'avoir sa propre machine. C'est super léger. Donc, c'est très, très bien. Moi, j'aime beaucoup ce produit. Ça peut être aussi, si vous voulez partager des moments de créatif avec vos enfants ou vos petits-enfants. C'est l'occasion d'avoir ce genre de petite machine. Les enfants seraient contents d'avoir leur propre machine. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, et ben, comme on parlait de dits, on va continuer avec les dits. Je vais vous présenter quelques dits. Donc ce sont des achats clients. Donc j'ai celui-ci qui est à double, vous voyez, double couture. Donc découpe avec double couture, très très joli. Donc avec des cadres, vous avez 9 cadres pour 14,95 €. Ça c'est Nelly Choice qui fait ça. Et au dos, vous avez d'autres modèles, hein, éventuellement sur le même, la même gamme. Donc des ronds, ovales et rectangles. Hein. Alors effectivement, un rectangle et un carré, on peut le faire soi-même. Mais là, en fait, ça va faire impression couture. Hein, dessus. Ensuite, c'est bientôt le printemps, Pâques, etc. Donc, voici un petit dit avec des petits poussins, des petites poulettes qui sortent de leurs œufs. Donc, 8,85 €, c'est 15, pardon, c'est Léane Créative qui fait ça. Au dos, un petit passe, vous l'avez en situation. Et puis d'autres produits qui sortent en même temps, en fait, simultanément sur le même thème, avec les références, ça vous permet de voir d'autres produits. Sinon, pour ce qui est des portes et des fenêtres, en ce moment, on me réclame beaucoup ce genre de produits. Donc, ces deux produits-là sont chacun à 10,95 €, hein, un petit peu. C'est des portes et fenêtres assez ouvragées, donc assez sympa. Donc, pareil, au dos, hein, c'est la même marque, donc vous avez en situation. Les produits. Donc, à savoir que il existe aussi un vélo, un panier, un banc. En fait, tout pour recréer des petites scénettes. Donc, ça, c'est 10,95 €. Chez Marianne Design, des petites fleurs. Ça, c'est aussi une nouveauté. Hein. 13,95 €. Les collectables chez Marianne Design sont des dits qui coupent très, très bien parce que il y a très peu de détails, mais au moins ça a le mérite de faire de très jolies découpes. Donc là, pareil, hein, là vous les voyez en situation, ça vous permet de voir un petit peu tout ce que vous pouvez faire. Nouveauté également, donc toujours Marianne Design, mais là on est dans les Créatables, donc ils sont reconnaissables parce qu'ils sont bleus. Les Collectables sont roses, les Créatables sont bleus. Donc là, c'est un duo de chats très joli à 4,95 €.
Pour ce qui est des dits, je vais vous montrer également. Donc ça, c'était un petit... on a eu quelques articles en promo de Noël et puis je suis tombée sur ça. C'est pour faire des différentes boules. Alors, vous avez les formes étoiles ronds et ça, je ne sais pas si c'est un nom particulier cette forme. Mais avec, vous avez le petit embout qui vous permet de créer comme des boules de Noël. Hein. Donc ça, c'est 5,85 et c'est Studio Light qui fait ça. Ensuite, vous avez ce magnifique tag qui est pour une de mes clientes qui est vraiment magnifique. Qui fait, ça vous permet de couper des tags de 22 cm de long et à l'intérieur avec plein de dits qui s'utilisent individuellement. Vous avez à la fois donc un tag de 22 et vous avez également un tag de 16 qui est là, qui est très joli aussi. Donc, qui peut devenir une pochette sur le grand tag. Vraiment un très, très joli produit. Et donc, ça, c'est 17,90. Vous voyez, on voit au dos un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et de la même manière, vous avez des modèles un petit peu similaires avec des références indiquées. Pour les dits, j'avais ça à vous montrer. Et alors, pour finir, je voulais vous montrer. On a, lors du premier atelier dans notre association, le premier atelier de 2022, pardon, on a fait, le thème c'était autour du fil, on a utilisé la machine à coudre, etc. Et on pouvait également utiliser des dits qui prépercent pour faire du point de croix. Donc je vous montre le modèle que j'avais fait. Il est issu d'un petit carré. Alors, je ne sais pas si je l'ai là dispo. Non, je ne peux pas vous le montrer. Donc en fait, il suffit de passer le dit dans votre machine, donc ça prépère, et après libre à vous de faire un projet. Donc je ne sais pas si vous allez voir en le rapprochant. Donc voilà, c'est du point de croix. Alors ça a donné l'envie d'aller voir le site, ce qu'il y avait sur le site. Et alors il y avait énormément de produits qui étaient arrivés depuis peu et que j'avais pas prêté attention en fait. Donc je vais vous montrer, il y a des formes alors assez classiques. Des rectangles, des carrés. Celui-ci, c'est un carré qui est légèrement plus petit encore. Donc, le carré, lui, il est à 7,95 et celui-ci à 10,95. Donc, ça, ce sont des formes très classiques. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez avoir des formes différentes par thème. Vous voyez, là, vous avez le sapin. Vous avez la boule de Noël également. Donc 6,85 et celui-là à 7,95. Donc vous avez le rond, voilà, qui s'utilise classiquement, hein, pour faire le qui prépère. Et puis ensuite, vous avez quand même deux autres dits classiques. Et là, pour le coup, ça vous permet, ça s'utilise simplement sans le rond central. Et là, vous avez la forme boule. Là, pour le coup, vous avez la forme sapin. Donc, c'est assez intéressant. Chaque dit, là, comporte trois dits intégrés. Hein. Et enfin, vous avez celui-ci qui est le pull de Noël. Alors, pour info, j'ai découvert un peu ces produits grâce au site de Marianne Design. Parce que elle a sur son site, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, sur son site, on peut télécharger des PDF avec les modèles. Ce modèle-ci, par exemple, faisait partie de ces PDF. Donc, il y a 5 pages avec plein de PDF sur tous les thèmes, Noël, au fil des saisons, il y a sur la naissance, il y a plein de PDF avec des modèles. Et il y avait également, c'est là que j'ai découvert le pull de Noël que j'aime beaucoup et qui est assez sympa. Il y a un peu de boulot à faire effectivement, mais je pense que on peut commencer à faire au moins pendant l'été nos cartes pour Noël. Donc celui-ci est à 7,95. Je mettrai en lien, je mettrai en descriptif, pardon, ici en dessous, le lien vers le site de Marianne Design. Donc, je profite, tout à l'heure, je vous ai montré Collectable, Créatible. Alors, Collectable, rose, Créatible, bleu. Et donc, là, on a les Craftable qui sont gris. Voilà, ça, c'est les trois gammes de dits de chez Marianne Design.
Comme je suis dans le point de croix, nous avons chez Staphyl, c'est une des marques que nous avons qui est beaucoup autour du fil, du tissu, des petits lots comme ça de fil type DMC, parce que c'est pas la DMC, hein, DMC c'est une marque, donc là c'est Staphyl. Donc vous avez 10 petits, comment, je sais pas, ça a un nom sans doute, 10 fils. Et ils appellent ça des moules. Ah ouais, en fait. Donc là, c'est la gamme des gris, des blancs, etc. À chaque fois, vous avez un camaïeu de couleurs. Hein. Ça existe en bleu, en vert et en rose également. Bon, moi, toutes les autres couleurs, je les avais. Ça me restait d'une activité que j'avais il y a très longtemps. Mais par contre, c'est vrai que je n'avais pas de blanc, je n'avais pas de rose, ni de gris, de noir, etc. Et je trouve que quand on fait des projets pour Noël, c'est bien d'avoir un peu de blanc. Donc, les paquets de 10 paquets de fils, c'est à 7,80 €. Donc, ensuite, je vais vous montrer, j'ai un petit peu de tampons, donc je vous montre celui-ci. J'ai eu envie de faire des arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le soleil après la pluie, donc... je trouve assez joli, donc ça permet de faire des arcs-en-ciel de couleurs avec des tampons, avec soit, vous voyez, des petits points, des étoiles, des cœurs. Donc j'ai trouvé ça pas mal du tout, j'aime beaucoup ce tampon, il est à 3,60 € chez Studio Light. Sinon, nous avons aussi sorti il y a quelques temps des tampons bois qui sont très très jolis, avec des thèmes un peu vintage que j'aime, c'est assez joli, c'est beaucoup. Et alors sachez que les empreintes de tampons bois sont de qualité supérieure aux tampons acryliques. Mais bon, ça suppose un prix différent. Donc ça, ces tampons-ci sont à 8,50 € dans cette gamme-là. Ensuite, je peux vous montrer, alors là, comme je vous montrais des petites choses pour des bébés, j'ai trouvé ça, donc c'est des moules silicone. Donc, ils sont à 3,90 €. Il y a une gamme assez étendue. Vous pouvez vous en servir avec de la pâte à durcir qui durcit à l'air, les pâtes Fimo, Pardo, de la résine, etc. Et ça vous permet de faire des petits embellissements que vous pourrez joindre à vos mini-albums ou à des cartes de naissance. Voilà, c'est sur le thème de la naissance, mais on a énormément dans cette gamme-là. Je vous mettrai également... dans le descriptif, le lien vers les moules silicone. Donc 3,90 €, c'est des moules qui valent vraiment pas cher et ça vous permet de faire plusieurs embellissements identiques. On va continuer avec les papiers. Donc ça va aller assez vite, hein. J'ai pas énormément. Je suis contente si on arrive à faire une petite vidéo pas trop longue, ce serait sympa. Donc ici, une collection de Marianne Design, donc des papiers avec des couleurs un peu printanières, ça fait du bien. Donc 9,95 €, vous avez à l'intérieur 6 designs multipliés par 2, donc 12 feuilles. Et vous avez également des étiquettes, alors des tags, une fois, des étiquettes et des mots. Hein. Alors, le seul petit point négatif, hein, je peux le dire, soyons honnêtes, c'est que bah, c'est en néerlandais. Donc ça, c'est pas top top. On va pouvoir jeter cette petite page. Mais en fait, les autres sont très sympas pour réaliser des mini-albums ou des cartes. Hein. Ensuite, j'ai réceptionné une dizaine de blocs comme celui-ci que j'ai présenté dans la précédente vidéo. Donc, n'hésitez pas à me réclamer celle qui m'en avait demandé en réserve. Il est à moins de 9 € alors qu'il était à presque 13. Il avait été soldé à moins de 9 €. Donc ça, c'est jusqu'au 31 janvier. Donc là, pour le coup, il est repassé à 12 € et quelques. Alors, très joli papier. C'est vrai qu'au moment des... Après les fêtes, on a du mal à acheter ce genre de papier. Mais bon, comme les petits sujets sont trop mimi, ça s'utilise sur les albums pour enfants. Bah alors, plutôt en période hivernale. Mais voilà. Concernant le papier, j'ai également reçu une nouvelle collection
plutôt sur des tons hein, avec un combo de vert. C'est les dernières collections Studio Light, donc beaucoup ambiance un peu aquarellée. Je vous montre ça très rapidement. Donc sachez que c'est à le prix c'est 9,95 il me semble, à confirmer, je vais vous dire ça. Oui, c'est ça, 9,95€. Et dedans, vous avez 6 modèles de pages recto verso 30-30 de scrap, mais tout en double, hein, deux fois. À chaque fois, vous l'avez deux fois, je vous le montre. Hein. Donc, la première feuille, c'est celle-ci. Voilà. Elles sont très, très jolies. Moi, j'aime beaucoup. Oui, alors celle-ci, je la trouve très, très belle. Vous voyez, avec les bancs. Les oiseaux très joli avec donc ça c'est une série d'étiquettes donc et ils ont eu la bonne idée depuis plusieurs collections de pas mettre du tout de mots donc c'est à vous de mettre vos propres mots les propres mots de votre que vous avez dans vos dans vos tampons acryliques ou éventuellement que vous pouvez imprimer et ça c'est extra pour ça parce que avant on avait souvent des mots en anglais ou alors voire en néerlandais donc ça c'est donc et au dos très jolie page de marron celle-ci est très belle aussi alors je sais on va avoir du mal à les couper mais les motifs sont assez petits. Donc, je trouve que, voilà, sur une carte, ça, c'est magnifique. Là, le haut aussi. Au verso, vous avez celle-ci, qui est belle aussi. Et ça, vraiment très, très belle page. Donc là, le côté un petit peu aquarellé. Hein, très joli. Et puis, enfin, des étiquettes pour agrémenter votre... votre collection. Alors, ils sont pas prédécoupés, mais bon, un petit ciseau pince et tout se passe bien. Et voilà le verso. Donc, je rappelle, 9,95€, les 12 feuilles. Très, très jolie collection. Hein. Et puis, je voulais vous montrer également. Donc, nous avons un nuancier de papier, les papicolores. Donc, petite mauvaise nouvelle. Ils étaient à 7,70 les 10 feuilles et comme beaucoup de choses ça a augmenté forcément plein de produits sont difficiles d'obtenir d'avoir en stock et puis il y a ce problème là et puis il y a une augmentation de la matière première donc ils sont passés à 8,75 les paquets de 10 feuilles donc là j'ai un nuancier hein, si vous avez besoin mais sinon donc là, c'est un rouge que j'ai là, qui n'est pas un rouge Noël. Hein. Et sinon, j'ai commandé les deux blancs pour voir justement la différence. Et je peux vous dire qu'il y en a un. Alors, je ne sais pas si avec vidéo, ça va se voir. Mais celui-ci est plus blanc que celui-ci. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour certaines de la pub de la lessive. Quand je dis ça, ça me fait penser à ça. Mais bon. Donc, c'est cette référence-là, si vous voulez, un vrai blanc. Donc, c'est la référence 298-930. Là, vous avez un vrai blanc. Ici, vous avez plutôt un crème qui est la 298-930. Donc, plutôt, si vous souhaitez des blancs, 298-930. Donc, les 10 feuilles sont à 8,75. Sachez que, si besoin, je peux éclater des paquets. Ça ne me pose pas de soucis. Hein. Ensuite, une nouveauté qui... Alors, au départ, j'ai pensé que c'était des tampons. Quand je les ai mis dans mon panier, je me suis aperçue après que c'était... c'était des pochoirs, mais pourquoi pas, en fait, c'est pas bien grave. Donc, ça vous permet, ce sont des pochoirs qui vous permettent de réaliser ces quatre fleurs. Donc, il y a quatre pochoirs différents que je vais vous détailler. Et en fait, assez simplement, vous utilisez vos encres de couleur, des éponges, et avec votre pochoir, vous travaillez les différentes teintes. Donc, je vous expliquerai rapidement... voyons voir, ouais, voilà. Alors, par exemple, pour réaliser cette feuille, cette fleur-là que vous avez ici, donc vous avez ce pochoir-là. Donc, vous prenez d'abord une couleur, la plus claire de vos couleurs. Vous réalisez ce pochoir-ci.
vous, vous superposez sur la fleur que vous venez de réaliser, vous superposez ce pochoir-là et vous mettez une teinte légèrement plus foncée. Puis ensuite, vous terminez en superposant également et vous colorisez avec ça. Et ça vous permet en fait d'obtenir ce motif. Alors, j'espère que ça va se mettre, voilà, que ça va faire le zoom et que ça va ouais, voilà, peut-être que vous verrez mieux ici. Et donc, pour chaque élément, il faut le travailler de la sorte. Vous voyez, là, c'est la partie verte, ça, c'est pour tout ce qui est partie branche. Et ici, pour le cœur de la fleur, c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. Généralement, vous avez trois étapes à faire pour réaliser votre fleur, hein. Donc, je vais vous montrer les quatre modèles qu'il y a. C'est à 4,95 €. Donc, vous avez celui-ci qui est le masque 79. Donc, et vous obtenez, je ne sais pas quoi comme fleur. Je suis nulle en fleurs. Vous avez celui-ci qui est en 80, masque 80, pour obtenir cette fleur. Vous avez celui-ci, le masque 82. Donc, vous avez un modèle hein, pour vous montrer, pour vous épauler. Puis après, libre à vous de faire des choses plus différentes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme eux. Et enfin, alors je vous montre la dernière. Ah, c'est celle-ci. Alors ça, je pense que ce sont des pensées, éventuellement. Voilà. Donc, ils sont tous à 4,95 €. Je vais tenter de faire une petite vidéo rapide avec l'un d'entre eux. Et je vous mettrai ça assez rapidement sur la chaîne YouTube. Un petit tuto pour utiliser ces petits pochoirs. Comme ça, je vous montrerai un peu les outils qu'on utilise, les mémentos, les brosses à appliquer, les encres. Hein. Ensuite, une dernière nouveauté. Ça c'était vraiment les nouveautés, les dernières. Hein. Alors, ils ont sorti des boîtes à shakers, donc pour réaliser des shakers. Donc, je vous les montre. Hein. On a les carrés, les ronds, les rectangulaires et puis les ovales. Donc, dans chaque paquet, vous en avez 10. Je vous montre, hein, j'ai ouvert celui des ronds. Voilà. Et je vous montre un petit peu comment ça se présente. Hein. Donc, est-ce qu'ils ont fait? Alors, ça, suivant, c'est quel que soit le format, c'est 3,95 € la boîte de 10. Donc, ça vous fait moins de 40 centimes le shaker. Mais ils ont associé, comme c'est Studio Light qui fait ça, ils ont associé le dit qui va avec. Hein. Donc, pour le rond, vous avez celui-ci. Donc, le dit est à 5,95 €. Donc, pour moins de 10 €, en fait, vous pouvez faire des shakers. Ça vous permet de faire votre papier pour fixer le shaker. Vous avez la carré. Le carré, 5,95 € également, donc là, moins de 10 €. Et puis, vous avez le rectangle et l'ovale. Donc, par contre, rectangle et ovale, ils sont à 7,95 €. Donc, on est à 8 et 4. Avec moins de 12 €, vous pouvez faire des rectangles et des ovales. Sachant que, donc, vous avez les premières formes pour votre shaker et puis ensuite des formes, d'autres formes, un qui vous fait des petits embellissements à mettre dans votre shaker et puis des cadres de formes, vous voyez, là, ce sont des petites fleurs, donc, que vous récupérez, en fait, vous voyez, au dos, on voit, on récupère les petites fleurs. Ici, on récupère des cœurs. Sur les ronds, on récupère des petits confettis. Et sur les carrés, on récupère des petites étoiles. Donc, quand vous les passez dans votre machine, ça vous permet d'avoir des petits éléments de différentes tailles en un seul passage de machine hein, que vous pouvez mettre dans votre shaker. Donc, ça, c'est une nouveauté assez intéressante. Donc, je le rappelle, pour les carrés et les ronds, pour moins de 10 €, vous pouvez avoir le dit plus les 10 shakers. Vous voyez, ça se présente comme ça, les 10.
Et pour moins de 12 euros, vous pouvez avoir les rectangles et les ovales pour moins de 12 euros. Hein. Ensuite, j'ai vu en me promenant un petit peu à gauche à droite, pour certaines qui ont ce dit là, ça correspond, le centre correspond à au shaker. Donc imaginez cette belle découpe avec un shaker au centre, c'est magnifique. Donc ce dit là, il était à 14,75, je ne sais pas, il m'en reste un, et je ne sais pas s'il y en a encore en stock. Ça, c'est, j'ai pas vérifié avant. Je vous tiens au courant. Dans le descriptif, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Le descriptif, c'est toujours intéressant sur les vidéos YouTube. J'ai encore deux petites choses à vous montrer. Il est 25. Ouais, j'ai beau essayer de faire. J'arrive toujours à 30 minutes. Alors, on m'a réclamé pour. On n'en a pas beaucoup, donc pour le coup, je voulais vous les présenter. On a des tampons petits mots en français. Donc, on avait eu pendant Noël tout ce qui est en rapport avec les fêtes. Donc, joyeux Noël, bonne année, joyeuses fêtes, meilleurs vœux, Noël blanc. En fait, tout en plusieurs polices différentes. Donc, j'ai ressorti, donc ça, c'était les souhaits de Noël français, mais j'ai ressorti les vœux en français. Donc, on en a sorti 4, il ne reste plus que la 2, la 3 et la 4, mais je vais vous les montrer rapidement. Donc, voici la 2, avec « Mille merci, tu me manques, juste pour toi, amitié, tu as réussi, bisous, un jour spécial, juste un mot, toi et moi, madame, monsieur, avec amour, douce pensée, bonne chance à toi ». Je pense à toi, etc., etc. Donc ça, plutôt des messages d'amitié. Ensuite, le vœu français numéro 3. Donc là, c'est plutôt des bébés, j'ai l'impression, des bébés, des éventuellement le baptême, etc. Donc, enfin, les grandes occasions, on va dire. Bienvenue bébé, bisous, joyeux anniversaire. Oui, ça c'est plutôt celui des grandes occasions, parce qu'il y a menu, fait maison, fait main, félicitations, bonne chance, bonne fête, bonnes vacances, juste un mot, joyeux Noël, bonne et heureuse année, bienvenue bébé, et également sincère condoléances. Il peut arriver qu'on envoie une petite carte pour cette occasion-là. Et enfin, le vœu français numéro 4. Et alors celui-ci, ah bah c'est peut-être celui-ci, peut-être petit bonheur, un petit mot doux, je te porte dans mon cœur, bienvenue, félicitations aux nouveaux parents, c'est un garçon, c'est une fille, quelle bonne nouvelle, douce pensée, communion, bon anniversaire, etc. Donc bah, franchement, c'est les indispensables à avoir dans ces petits tampons lorsqu'on fait de la carterie. C'est absolument indispensable. Ils sont à 5,95 € et vous avez à chaque fois une petite douzaine de petits mots. Donc n'hésitez pas à me réclamer si vous en souhaitez. Je pourrais vous les commander. Enfin, je dis toujours enfin, mais je redécouvre des choses à gauche, à droite. Les doubles faces 6 mm sont venus. Ils sont à 1,35 € en ce moment. Je ne précise jamais. Bon, là, je vous précise le prix parce que ça a été à la fois en baisse, puis maintenant, c'est à nouveau remonté. Donc, 1,35 € les 6 mm. Ça existe en 9 mm à 1,50 €. Ici, j'ai des petites cabanes, des petits nichoirs pour ma copine Florence. Donc, 1,75 € les petits nichoirs, très, très jolis, avec pour des petites créations. Pour Pâques, ça peut être sympa. Oh, tenez, je viens de découvrir un pochoir. Un pochoiffeur. Donc ça, c'est une commande. 3,95 €, c'est Marianne Design. Hein. Donc, pour une seule marque, vous avez énormément de choix dans les produits. Il y a des pochoirs, des dits, des tampons, etc. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah, ça, c'est le dernier produit que je vous montre, je pense. Après, je vous dirai au revoir. Donc, ça, c'est le bloc collector. Vous voyez, il est bien épais. Des produits de Marlène, des die cuts. Vous avez 50 feuilles de die cuts. Donc, les die cuts, ce sont des petits éléments comme ceci, prédécoupés.
Donc, Univers de Marlène, c'est un collector, hein, donc ça regroupe ces décos, voilà, tous ces personnages bien connus. Donc, chaque feuille, vous les avez deux fois, vous avez 25 modèles différents deux fois, hein, donc prédécoupés, donc ça c'est génial, il n'y a pas besoin de les découper. Et à la suite de ça, vous avez en recto verso des feuilles. Alors, je vous montre vite fait, hop, avant d'arriver. Vous voyez? Donc, c'est des recto verso, hein, des collections de Marlène. Et là, vous l'avez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça. Vous avez 10 feuilles recto verso. Donc, vous avez 50 pages de die-cut. Donc, 25 fois, 2 fois le modèle. Et plus 10 feuilles recto verso, hein, en A4. Donc, super modèle, plus de 1000 die-cuts XXL. C'est du 170 grammes, c'est acid-free. Et puis, c'est un format A4. Alors, peut-être un peu cher, et encore que, parce que là, vraiment, vous regroupez tous les éléments, c'est le collector. Il est à 20 euros. Alors, j'en ai un exemplaire, parce que je voulais le voir. Mais je vais le garder. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire. Donc, soit dans les commentaires, soit vous me contactez par mail, par téléphone pour celles qui ont mon portable. N'hésitez pas. Je ne sais pas combien de temps on va. Je n'ai pas vérifié non plus quel stock on avait et combien de temps on l'aurait en stock chez Keepers. Mais n'hésitez pas, il est très beau. Il est visible chez moi, forcément, dans mon atelier. Donc ben là, pour le coup, j'ai fait le tour. Si vous faites des commandes, je vous joindrai. J'ai reçu là le numéro 1 de chez Stips, Nelly Stips. Donc c'est très inspirant ces petites pubs. C'est des petits flyers de page avec les produits qui sortent en ce moment. J'ai également le numéro 110 de Marianne Design. Pareil, une double page A4 avec des modèles. C'est inspirant, ça vous aide. À réaliser des projets et ça montre un petit peu ce qui est sorti. Et puis, sinon, j'ai également le dernier Studio Light, 40 pages absolument magnifiques de tout ce qui est sorti récemment et les collections à venir. Donc, voilà, les collections Marlène, pardon, à venir, mais également des collections pour les futures mamans, les futures grand-mères, etc., pour faire des belles pages. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je peux vous montrer. Alors, bah, les fameux shakers qu'on a là, donc vous les voyez en scène, c'est intéressant parce que sur la page, vous voyez, ça vous inspire, ça vous donne de l'inspiration. Et puis les nouvelles collections de papier, les nouveaux dies, vous voyez là ici les nouveaux pochoirs que je viens de vous montrer et que je vais tenter de faire une vidéo assez rapidement. Et ben, je pense que c'est tout. Donc voici pour le deuxième déballage de Colis Keepers de l'année. Si je fais des commandes régulièrement, tous les 15 jours, n'hésitez pas à passer commande. Je répercute pas, pardon, les frais de port si vous incluez dans une commande groupée. Donc tous les lundis, des semaines impaires, je fais des commandes. Je regroupe mes commandes Keepers que je reçois éventuellement le mercredi ou le jeudi. Et puis, je vous remettrai en main propre et je joindrai à toute commande donc les petits fascicules que je vous ai montrés. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas de mettre des pouces en l'air, ça fait plaisir, ça prend 32, même pas 30 secondes, je dis 2 secondes. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, petite cloche, on s'abonne, comme ça vous n'aurez toutes les vidéos de déballage, mais également de tutos et de pas à pas. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo dans vos réseaux pour si dans vos amis, certaines personnes ne me connaissent pas encore, voilà, pour découvrir un petit peu, me découvrir et les produits Keepers. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée créative. À bientôt, bye bye!